soir. Les faux choisis sont parmi nous. Ils sont sur ma page Facebook. Ils sont dans mes groupes WhatsApp. Ils sont abonnés. Ils font semblant d'être avec nous, d'être comme nous. Mais il y a quelque chose en eux qui ne vibre pas avec vous. Vous ne savez pas quoi. Il y a quelque chose dont la personne va venir à côté de toi faire comme si tu avais les pieds sur la personne. Tu vas voir comment la personne t'interprète tes rêves, comment la personne parle. Mais après, quelque chose te dit que... Je vais d'abord vous dire quelque chose. Et ça va résonner avec vous. Un choisi n'apprend pas. Je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose. C'est pour ça que vous raisonnez autant avec moi. Je ne vous apprends rien de nouveau. Je vous rappelle ce que vous connaissez. Dans le monde des choisis, on ne connaît pas plus que l'autre. Oh non, elle connaît. Vous pouvez venir à moi à cause de mon don, de mon appel. Ou parce que ma lumière s'est ouverte avant la vôtre, dans cette vie. Un choisi ne vénère pas l'autre. Un choisi ne cherche pas qu'on le vénère. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples que celui qui veut servir, celui qui veut être le chef, il doit servir. Plus je connais, plus je dois me mettre à votre service. Je suis fatigué des choisis qui... Je sais que parfois vous venez, vous voulez me vénérer. Je ne veux pas. Parfois j'en vois qui cherchent l'honneur. Si tu veux l'honneur, je vais te donner. Je te donne l'honneur, je ne fuis pas moi, pardon. Je n'ai pas moi le temps de ça. Si tu veux te donner ma place, on te donne les honneurs pour moi. Ça ne me dérange pas. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Tu peux m'aller construire quelque chose, une autre personne part, on inaugure, on lui donne le cadeau, on lui donne les trucs. Tu n'as pas le temps. Ce n'est même pas ça qui t'intéresse. Oh Seigneur, que tu puisses donner la force. Donne, ouvre les yeux de tes enfants. Oh là là. Un choisi connaît que ça va aller. Et actuellement, vous êtes en plein conflit avec votre environnement. Parce que dans votre, vous êtes en train de vibrer, vous êtes en train de monter. Il y en a parmi vous que quand ils vous regardent, tu es là, tu tournes, tu dis que je dois aller en bain, je dois aller en bain. Les choses ne se passent pas en bain, ça se passe en Afrique. Donc comme tu es là, tu es... Tu es convaincu que tu dois forcément aller en bain. Tu es convaincu que tu dois rester en bain. Un choisi sait qu'il a besoin de s'aligner avec l'endroit de la terre où son énergie se trouve. Là, je dépasse vos trucs de « je veux les papiers, je veux le mariage, je veux ça, c'est tous les enfants. » Vous connaissez quoi? Je dois rester ici d'abord 5 ans pour faire mes papiers. Avant de venir, un choisi n'a pas le temps de ça. Le choisi vous laisse avec les papiers. Il dit restez avec. Il dit restez avec.
Tout voilà. Je veux les papiers d'abord. Il faut d'abord que l'homme s'épouse. Je supporte dans sa maison pendant 3 ans. De ce petit con. Je vais vous bloquer. Hein. Je vais vous bloquer dans mon inbox là. Il faut d'abord qu'elle reste ici là. Je supporte pour avoir les papiers. Tu supportes quoi? Tu sais ce que 1 mois peut te faire donc, quand tu es dans un mauvais environnement? Tu sais ça peut faire ton énergie? Vous êtes là, vous finissez votre énergie chaque jour. Vous espérez. Je ne veux même plus masquer. I don't want to sugarcoat it, man. Je veux plus mettre le sucre sur ça pour que vous, quand vous mangez ça, c'est amer, c'est amer. Hier, Étienne, les Sénégalais, oh, ben c'est l'Europe, non. Quand il parle dans ma tête, je suis avancé. Je crois que dans le monde des choisis, on connaît parler comme les Camerounais. C'est l'Europe. Et quand en Europe, il dit qu'il a besoin de papiers. Il est dans un centre là-bas, il attend. C'est en 2028 qu'il va commencer à faire son tour de choisi. Voilà. C'est ça qu'on appelle Mbeng. Maintenant, si vous ne comprenez pas toujours, quittez alors sur ma page, pardon. Ce que ma page, ma bouche n'est pas pour vous. C'est dans mon inbox. Ouais, je vais d'abord supporter. Tu es dans un business que ce n'est pas ton appel. Point barre. Je comprends, non. Ce n'est pas ton appel. Laisse-moi les bêtises là. Tu es là, tu vends les mèches. Tu vas vendre ça à tout parti. Tu as compris? Tu vas vendre les faux trucs. Dieu t'a dit que tu dois faire dans la restauration. Dieu t'a dit que tu dois guider les gens. Tu forces, tu vends des sacs à main. Vends les sacs à main, ma chérie. Tu vas galérer sur tes sacs à main, là, bien même. Tu vas confirmer le coup. Tu vas lire l'heure sur le calendrier des bateaux femmes. Tu viendras me dire après. Je vous dis qu'ils sont pleins ici sur ma page. Vous êtes là, non? Vous êtes là. Vous ne commentez même pas. Parce que si vous commentez, je vais vous tirer sur vous. Le problème c'est que mon message est tellement bizarre que ce n'est pas tout le monde qui va me liker mes vidéos. Et je vous ai dit, créer les faux profils pour me suivre. Une femme me fait le message avant-hier, elle me dit que elle a commenté sur une de mes vidéos. Une de ses sœurs, je ne sais pas comment la sorcière de sœur. Oui, je t'appelle sorcière, tu as compris. Regarde, tu peux encore mettre dans votre forum familial qui t'a appelé sorcière. Tu es sorcière, ok. La sorcière de sœur est venue voir son commentaire, a fait la capture. Et elle est maintenant dans le groupe familial maître. Quand la fille paniquait, j'ai dit à mon cœur que ouais, si je savais que c'est même mieux pour toi que toute ta famille te déteste. Vous allez vous supplier les gens qui ne vous aiment pas. Vous supplier les gens qui vous ont bloqué. Elle me dit, ouais, supprime mon commentaire. Toute ma famille me déteste maintenant. Ma chérie, c'est maintenant que tu apprends qu'ils te détestent. Ils te détestaient déjà depuis longtemps. Je suis fatigué, arrêtez, arrêtez. Oh, vous ne comprenez pas l'importance. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. On est dans une bataille spirituelle qui est sérieuse. Ce n'est pas tout le monde qui est sur ma page, c'est qui dit bonsoir. Ma reine, ma reine. Je connais vos cœurs. Certains ici, là, vous allez vous commenter alors que vous êtes des bloqueurs. Agent numéro 1 de blocage de quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis seulement que les faux, ils sont parmi nous. Plein. Plein. Un faux va m'écouter du matin au soir, de tel jour à tel jour, mais il ne va jamais. Il va mettre en pratique peut-être une fois en passant. Et quand il met en pratique, c'est parce qu'il sait qu'on va le voir. Son cœur, là, ne désire pas mettre en pratique ce que j'ai dit. Laissez-moi vos bêtises, là. Tu te laves au sel. Je me lave de temps en temps. De temps en temps, c'est le nom de qui? De temps en temps, c'est qui? Les faux sont là dehors. Tu regardes ma vidéo. Tu pars maintenant sur TikTok. Tu tombes sur le. Il y a un monsieur qui il a fait une vidéo contre le bain de pipi. C'est tout le monde qui m'envoie la vidéo là chaque jour maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai aucune pensée par rapport à ce que l'on a dit. Vous avez suivi. Il ne me fait ni chaud ni froid. C'est vous qui avez des problèmes. Vous êtes comme des vagues, comme
un ballon qu'on a lancé sur l'eau. La vague part comme ça, là, le ballon part. Le vent fait comme ça, le ballon part. Vous savez pas ce que vous voulez. Désabonnez-vous, pâté. Allez faire vos bêtises là ailleurs. On parle de maturité spirituelle. On parle d'ancrage. Un choisi, le vrai. Le vrai. Quand tu tombes sur mes vidéos, je dis ce que tu connais déjà. Aura. Je dis que tout ce que je dis, quand je dis qu'on a, tu dis hum. Après, je dis hum. Après, je dis hum. Ce n'est pas que tu dis quelque chose de nouveau. Hein. Soit c'est ce qu'on t'a dit la veille, soit dans la journée là, tu pensais à ça. Soit c'est là 2 semaines où tu as dit ça. Voilà comment tu connais que tu es. On a aligné. Je vais te parler. Je vais te parler. Je vais te. Pardon, quitter avec ces vos bêtises là. Le vrai choisi n'a pas la pression d'un environnement. Le faux choisi va changer. Tu le vois. Vous êtes en famille, tu vois comment il se comporte. Vous sortez, vous partez au bar, tu vois comment il se comporte. Vous quittez du bar, vous partez, vous regardez le match. Tu vois comment il se comporte. Il change, il se métamorphose. Il se métamorphose. Après ça, sa copine vient. Il change encore pour sa copine. Tu dis, tchai, tu as combien de personnalités, papa? How many people be in your body? Le choisi. Tu ne cherches pas à impressionner quelqu'un. À travers toutes les saisons, tu es la même personne. Onboarded. Rien ne te dérange. I move for nobody. I'm the lion. Imagine un peu le lion. Le lion se lève. Il commence à s'arranger. Il arrange sa crinière comme ça. Non, le lion est couché. Passe au, il te regarde. L'autre personne passe, il vous regarde. C'est le lion. Je ne bouge pour personne. I move for nobody. Les Decepticons, ils ont toujours, les faux choisis là, ils ont toujours besoin de, même spirituellement, ils veulent vous montrer qu'ils connaissent. Ils veulent vous montrer qu'ils connaissent. Oui, on m'a révélé telle chose la nuit. J'ai fait ça. Non, non, ma chérie, je suis conscient que vous avez des révélations plus que moi. Vous suivez? Vous avez plus que moi. Je n'ai jamais dit dans mes vidéos que je suis la souveraine. Non, 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 non. La preuve, si tu augmentes ma part sur ta part, ça veut dire que tu connais plus que moi. Parce que viens, viens ici, partage toutes mes révélations. Tu prends, tu augmentes sur ta part que tu connais. N'est-ce pas, tu connais plus que moi maintenant. Un faux choisi, il va toujours vouloir conseiller les gens. Il connaît. Il va vouloir montrer que non, je connais. Je connais comment on met ceci, cela. Je connais comment on fait. Je connais même telle personne. Je connais le ministre là. Oui, je connais, je connais. Le faux choisi connaît toujours. Le vrai choisi, quand il arrive quelque part, si on ne lui demande pas, il ne dit pas qu'il connaît. Il s'assoit, il fait comme ça. Il voit comment vous êtes en train de struggle. Parce qu'on t'en a montré. La vie t'a déjà appris. Tu arrives quelque part, on a de se casser. On cherche à ouvrir quelque chose, à faire quelque chose. On veut. Tu regardes. Après, tu dis, qu'est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Si on dit non, 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 on connaît, laisse. Il se tait. Il vous regarde. Quand vous finissez, tout le monde est fatigué. Et c'est fou parce que Dieu a mis des choses dans les choisis que
Il n'y a que le choisir qui peut faire. Quand il finit, il s'essouffle. Quand personne n'a même plus par rapport à ça. Tu pars maintenant, tu ouvres. Tac, 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 tac. Parfois, tu ouvres même, tu ne fais même pas savoir que c'est toi qui as ouvert. Tu ouvres en anonyme. Après, tu peux te coucher, tu dors. Le matin, on voit le frigo ouvert ou la porte ouverte ou bien, je ne sais pas. Qui a ouvert le cadenas ici? Ah. Parce que tu fuis même souvent la jalousie. Tu fuis souvent la jalousie. Oui. La jalousie. Les fausses distractions. Les fausses questions. Ah, ça veut dire que tu connais ouvrir. Dis-moi comment tu ouvres le cadenas. Parce que moi, j'ouvre souvent par la gauche. Toi, tu ouvres ta part comment? Dis-moi. Voilà comment la personne te prend maintenant dans les longues conversations de 2 heures de temps. Et quand tu expliques, alors qu'il a essayé toute la nuit d'ouvrir, il n'a pas pu ouvrir. Toi, tu es venu ouvrir en 5 minutes ou en deux secondes. Le lendemain, il va vouloir te montrer qu'il a appris à ouvrir ça à la Sorbonne de Paris. Il va vouloir te montrer qu'il a fait ça dans des études de. Il travaille dans un endroit où on fabriquait les cadenas. Ouais. Oui, tu connais, je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Le choisi peut faire te laisser que tu connais, lui ne connaît pas. Tu vois le film avec le choisi. Hein? Vous voyez le film ensemble. Vous voyez le film ensemble. Vous, j'ai une personne qui aime toujours montrer qu'il connaît les films là, non? Un autre jour, tu viens, tu commences à parler. On va le choisir. Vous avez regardé le film ensemble. Tu as oublié que vous avez regardé ensemble. Tu viens, tu commences à lui montrer que je connais, je connais. Il y a un film que j'avais regardé comme ça là. Oui. Tu commences à raconter le film que tu as regardé avec le choisi, au choisi. Tu sais ce que le choisi va faire? Il va t'écouter comme si c'est la première fois qu'il avait, comme si c'est la première fois qu'il entend parler du film. Va t'écouter. Ah bon? Waouh! Là, il faut faire. Il fait, oh waouh! Franchement! Parce qu'il ne veut pas rentrer dans les conversations inutiles. Les problèmes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Le choisir, hein, ça ne le dérange pas qu'on domine sur lui physiquement. Domine, fais, prends la gloire, tu pars avec. Prends, tu pars, oui. Oui, c'est toi qui as gagné, pas avec. Oui, pas de problème. Si vous venez d'arriver, entrez, vous asseyez seulement. Bonsoir, asseyez-vous. Le choisi ne parle pas tant qu'on ne lui donne pas la parole. Le choisi ne parle pas. Jésus a dit dans la parole que quand vous arrivez à une fête, allez vous asseoir derrière. Laissez le maître des cérémonies. Laissez le maître des cérémonies venir vous chercher derrière. Il vous met devant. Ah, tu faisais quoi derrière? Mais n'est-ce pas, c'est toi qui as fait. Viens t'asseoir devant. Ce que je vous dis, c'est dans l'âme. Je vous parle des désirs de l'âme. L'enseignement, c'est trop profond. J'ai coupé. Ouais, j'ai le sommeil encore dans mon œil, c'est là. Mon œil, c'est encore le sommeil. J'ai coupé mon sommeil pour venir vous dire ça. Le choisi est convaincu. Quand il arrive quelque part, on va le remarquer. Ce n'est pas lui qui va faire qu'on le remarque. Mais on va le remarquer. Bonsoir à tout le monde. Tu vois, tu arrives quelque part. Tu ne veux même pas qu'on sache ce que tu as fait dans ta vie. Ou qui tu connais. Non, je connais le ministre de. Laissez-moi tout ça. Oh, j'étais en France. J'étais en Angleterre. J'étais aux États-Unis.
J'ai le visa des États-Unis et moi, je pars aux États-Unis tous les 3 mois. Ça, c'est tout athée, c'est tout superficiel. Beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés. Vous êtes mariés au faux choisi. Donc, quand tu arrives à la maison le soir, tu subis seulement ce que ta femme ou ton mari fait. Tu subis seulement. Pour certains, ça vous frustre énormément. Ne commentez pas, ne dites rien. Il ne faut pas qu'on vienne prendre vos commentaires pour dire que, wow, voilà mon mari, c'est là, c'est lui qui m'embête. Ta belle-soeur est sur ma page. Elle va aller dire à son frère que tu vois, il t'avait dit non. Il t'avait dit que la femme-là, tu ne devais pas l'épouser, non. Donc, utilisez maintenant la sagesse. Un fou choisi doit faire beaucoup d'efforts pour te convaincre. Un fou choisi a beaucoup de paroles. Il est trop excité quand il voit quelque chose. Oh my gosh, on va faire ça. Oh, on va faire. C'est pour ça que quand vous arrivez derrière moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il dit, j'ai fait d'abord te laver le pipi, va te laver le sel. Si après 3 semaines, tu veux encore, reviens. Parce que tu tombais sur ma vidéo à minuit ou à 3 h du matin. À 10 h, tu vas commencer à dire que tu veux tout ce que je veux. Non, laisse tes bêtises là. Un vrai choisi est enseigné, initié. Donc, en fait, toutes ces choses, il fait seul. C'est pour ça que beaucoup de vos enfants sont des choisis. Tu vas voir l'enfant, il a 13 ans. Tout ce que, c'est pour ça que mes vidéos, quand vous regardez, vos enfants comprennent même plus que vous. Hein. C'est toi qui as le téléphone, c'est toi qui as mis la connexion, mais ton enfant comprend plus que toi. Oui. Beaucoup d'entre eux sont enseignés. Bonsoir les faux profileurs et les faux profileuses. Le choisir, hein. Il y a un. Tu restes comme ça à la maison, on t'enseigne. Sur tes vies antérieures, sur ta mission de vie. On te montre même tes traumatismes. Tu te guéris toi-même. Je fais que vous parlez de ta guérison. Tu te couronnes toi-même. Tu te guides toi-même. Pas la fait que tu dis, bon, il faut que quelqu'un vienne me couronner. Il faut que quelqu'un vienne m'expliquer ceci. Ça, c'était l'ancien, hein, c'était l'ancien. Le nouveau, tout se fait une place. Et quand tu tombes sur les vidéos comme les miennes, c'est pour confirmer seulement ce qu'ils t'ont déjà dit. Mes vidéos ne sont pas pour les chrétiens perdus que vous. Quand tu cherches encore, oh Jésus, Jésus. Non. C'est pour les gens qui. Ce sont où vont s'initier eux-mêmes. Beaucoup d'initiations se feront dans les rêves. Je vous ai dit que nous sommes dans une période de couronnement. Donc peut-être vous allez traverser des portes dans le rêve. Peut-être on va venir vous donner un sac. Peut-être on va vous mettre une couronne sur la tête. Peut-être on va vous faire asseoir sur une chaise. Et votre problème, c'est que vous aurez les distractions du net. Tu te connectes, tu veux regarder une vidéo calmement.
En route, tu trouves 5 vidéos qui sont intéressantes. Tout ça, c'est pour vider ton énergie. It's to drain your energy. Pour te distraire. Un vrai choisi, tu connais les étapes dans lesquelles tu te trouves. Tu as déjà eu des visions de tes guides, tu sais à quoi ils ressemblent. Tu as déjà eu des visions de ton passé, de tes vies antérieures. Un vrai choisi, tu es prêt à dépenser tout ton argent jusqu'au dernier centime. Parce que tu sais que l'endroit où tu es en train de vouloir partir, c'est là-bas que se trouve ton élévation. Et je dis encore, ton élévation spirituelle. Vous entrez dans une phase où vous allez combattre les plus grands empires, les plus grandes entités, les plus grands systèmes. Juste par votre connexion à vous-même. Vous allez pouvoir partir puiser à l'intérieur de vous et apporter cela comme nourriture. Beaucoup d'entre vous, vous allez être amenés à quitter. Peut-être que tu vois une personne qui quitte un mariage. C'est très difficile parce que tu as un nouveau-né, ton enfant encore bébé. Donc tu as dû dealer avec les étiquettes dans ta tête. Tu te dis, ah, quand on va voir que je suis mère célibataire, qu'est-ce que les gens vont penser? Maintenant tu as dépassé ce stade-là. Elle choisit aussi, tout ce qui compte pour toi, c'est la liberté. Liberté de connexion, liberté d'expression. Vous faites partie d'une armée qui va construire. Je vois comme si l'ancien est en train de passer. Et on est en train de construire quelque chose de nouveau. C'est comme c'est en chantier. Et chaque choisi qui s'active dans son domaine à lui, dans quelques années, ce sera, vous serez les pionniers. Vous serez les clés, les pionniers. C'est le mot que je vois, pionnier, dans ces domaines. Ok. Maintenant, on me dit de te dire que ce processus d'initiation, tu le feras seul dans ta chambre. Tu vas limiter les énergies qui entrent. Donc, tu mettras ton téléphone sur mode silencieux. Et dans cette pièce, tu ne joueras pas autre chose que ce qui est connecté à ta spiritualité. Nous sommes dans un moment vibratoire très élevé. Beaucoup d'entre vous, vos dons vont commencer à s'ouvrir. Je vous dis encore, vos dons vont s'ouvrir. Vos dons vont s'ouvrir. La Bible dit que ton don va t'amener devant les rois. Tu bloques ton don, pourquoi? Hein? Tu es pauvre comme ça, là, tu ne t'en dis rien.
Tu souffres. On te parle, tu ne dis pas. Tu sais que tu peux lire les cartes. Tu sais que tu peux lire l'avenir des gens. Tu sais que tu peux guérir avec tes mains. Tu es là, tu souffres, tu n'as pas l'argent. C'est quoi ton problème? L'opinion des gens, on s'en fout. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. On s'en fout. Si tous les choisis vendent le spirituel, font dans le spirituel, il y aura toujours l'espace. Si vous pouvez faire votre vidéo, votre page, vous parlez de ce que je parle là. Il y aura toujours l'espace pour encore même 1 million de pages pareilles. Un faux choisi, c'est quelqu'un que, au fond de lui, il peut avoir des dons. Hein. Les choisis, les non choisis ont les dons. Et ça peut peut-être marcher pour un moment. Ça peut même marcher, mais pas au degré de quelqu'un qui est vraiment appelé. La Bible dit que peu. Plusieurs sont choisis, mais peu. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Un enfant de 10 ans, 7 ans, qui est choisi, il connaît déjà. Seulement que tu le frustres, il n'ose pas parler. Et le choisi a une foi en lui que le non choisi n'a pas. Une fois qu'il sait que ça va aller. Une fois qu'il n'a pas peur. Et aussi, quand on vous parle, vous ne croyez pas. Quand il vous parle, vous ne croyez pas. On vous dit, voilà tes dons. Voilà tes... Tu ne veux pas croire. C'est quoi ton problème? Tu portes tes rêves, tu peux raconter. Tu portes tes rêves, tu peux raconter. Jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui, aujourd'hui, là, quand il vous dit, ne dites pas vos rêves à n'importe qui. Tu portes tes rêves, tu as porté tes rêves à midi, je ne vais pas te raconter. Actuellement, nous sommes en train de faire beaucoup de fêtes pour les choisir. Beaucoup de festins pour les choisir. Il y a beaucoup de couronnements, beaucoup d'événements, beaucoup de joie. Et dans la joie, y a beaucoup de joie, on va dire comme ça. Vous devez vous habituer. Voilà, il y a aussi cette partie où c'est le choisi. Le choisi aime beaucoup donner. Il a dans lui, il aime donner. Voilà. Même si tu n'as pas, tu aimes donner. Quand tu fais une petite fête, tu aimes que les gens soient à l'aise.
Tu manges bien, tu ne verras jamais ta laisse. C'est une énergie que tu as gardée depuis dans tes anciennes vies. Et ça va t'aider dans cette vie. Si. Et beaucoup d'entre vous, je vois quelques personnes, tu avais tout ce qu'il faut pour passer une barrière. Mais chaque fois que tu arrives, on te bloquait. On me dit, te dit que c'est le moment. Le moment est arrivé. Tellement le message qui arrive. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses qu'on vous a donné le rêve, vous avez oublié. Vous allez vous rappeler. Voilà, il y a les kauris. On me dit de vous rappeler ça. Le kit de couronnement, on va rajouter des kauris à partir de demain. Voilà, les kauris. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, votre don commence à s'ouvrir dans le sens où, les rêves, on te dit beaucoup de choses. Et quand tu te rappelles, tu te réveilles, c'est ça. Il faut que tu décides dans ta tête par rapport aux fous choisis qui sont autour de toi. Parce qu'ils sont des distractions de l'ennemi. Ces fous choisis-là sont là pour te distraire. Parfois, tu rentres dans les faux problèmes avec la personne. Ça fait descendre ta vibration. C'est un peu comme James Bond dans le film. James Bond ne paniquait jamais, non. Quand tu l'appelles, oh, je vais mourir, aide-moi, gna. Il arrive, il est toujours calme. Quand tu le vois, tu sens que non, James Bond est là, je ne vais plus mourir. 007 est là. Ces faux choisis avaient pour mission de vous dérouter. Il y en a qui ont des pages où ils donnent des conseils sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas au nombre de followers. À bon entendeur, salut. Moi, je parle pour l'autre là parce que vous connaissez, vous êtes abonné sur 5 pages spirituelles. C'est la raison pour laquelle tu es tout là où tu es. Tu as compris? Tu as compris, non? Oh, you are. Tu parles comme ça à 6h, tu vas écouter une autre personne. Le pasteur, quelque chose, tu vas l'écouter. Après 7h, je sais pas, 8h, tu vas écouter un autre pasteur. Et vous allez passer aussi le monde spirituel et le physique. Vous allez tellement rêver que quand vous allez vous réveiller, vous serez en train de faire certaines choses du rêve.
Tu as déjà la tranquillité. Arrête de paniquer que tu n'as pas la tranquillité. Je parle comme ça, je sens beaucoup de vibrations dans les mains de quelqu'un. Les mains, les avant-bras. Toute cette nuit, ta main va te faire mal. Pas mal, mais ça va. Tu vois, non. Ça va vibrer, ça fait. Tu vois, dans mes cas, là, il y avait Kit qui avait la voiture. Ça faisait wiou, 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 voilà. Ça va pulser. Ça va pulser, je sais pas, comme les battements du cœur. Voilà. Tu vas prendre un moment parce qu'il y a aussi la clarté dont tu as besoin. Dimanche, c'est bien, mais tu as besoin d'un endroit où les gens sont en train de faire autre chose, mais toi, tu t'arrêtes. Et tu es téléchargé. Cette activation en train de faire que vos pensées deviennent physiques. Y en a, vous allez recevoir de nouveaux vêtements. Dis-lui, Michel, arrête de me demander le jeûne, tu as compris? Moi, je vais te bloquer. Il y a des jours où tu poses, ça m'énerve. Oui, Seigneur. Vous êtes conduit par l'esprit. Vous ne vous dirigez pas par ce qui est conventionnel. Vous ne marchez pas sur ce qui est conventionnel. Vous fuyez la loi. Vous fuyez tout ce qui est régulation. Si on met une régulation, on dit que ça, c'est comme ça. Quand vous allez arriver, dès que vous allez entendre ça, ça va pas résonner avec vous. Je sens tellement. Mes bras vibrent. Et je sais pas, mes épaules aussi. Je sens ça. Il y a même cette nuit, si vous êtes vigilant, on vous a fait croire que que le spirituel est séparé du physique. Vous êtes en train de commencer à manifester. Vous allez manifester ça. Donc, de toute façon, ça, tu vas penser. Ton corps va commencer à vibrer. C'est ton onction de guérison qui est en train de s'activer. C'est ton onction de. Oh là là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez des pouvoirs depuis 4 à 5 générations. Tu es né, tu es mort, tu es né, tu es mort, tu es né, tu es mort. On n'avait pas activé. Donc chez certains d'entre vous, je suis en train d'activer des choses, des pouvoirs qui ont dormi sur même 10 générations. C'est maintenant que ça s'ouvre en toi.
C'est des choses que tu voyais dans les films de fiction. Mais là, on n'est pas dans la fiction. On t'a caché que la fiction, là, c'est la réalité. C'est pour ça que tu vas comprendre le pouvoir de ta pensée sur toi. L'invisible. Tu vas rester comme ça, on va te montrer quelque chose, le lendemain, ça va se passer. Tu vas dire, ah, j'ai vu ça hier dans la nuit. Et c'est comme ça aussi que l'argent va venir. Je me rappelle pas de au moins 60% de ce que j'ai dit. Donc, vous allez regarder la vidéo, c'est après. Vous allez regarder après. Même moi, je vais lever le matin, je vais regarder. Parce que chaque gens qui vous parler, c'est même pas moi qui parle. Bon, allez continuer votre travail. Lavez-vous aussi avant de dormir. Protégez-vous bien.